said, but I don't know whether that's right or not, you know. He's the one called a pretty little cat. Some of them called a pretty little shoes, pretty little dog. Hmm.
It's loud enough to pick it up, ain't it? Yeah. That fiddle's got the power about it. Some of the notes back in there where they belong. Yeah. Bonjour, bienvenue à une nouvelle émission non annoncée pirate du All Time Circus et un peu une émission test également. Je suis de nouveau tout seul. Notre première vraie émission aura lieu le mercredi 19, donc dans une semaine, une grosse semaine, mercredi 19 avril, je serai accompagné de Lorcan au violon, et nous jouerons des morceaux et nous ferons une vraie émission, annoncée sur les réseaux sociaux, retransmise sur Facebook, etc. Mais ici, je voulais un peu tester mon nouveau setup en vue de pouvoir montrer des vidéos et de faire écouter du son. Et setup que je compte utiliser pour... Et bien vous faire écouter, découvrir un morceau, et pour ceux qui le souhaitent, qui jouent du banjo, comme moi, l'apprendre au banjo. Clawhammer. Alors le morceau que je vais vous faire écouter est un morceau en sol, sol majeur. Mon banjo est accordé de la manière la plus habituelle possible, c'est-à-dire l'accordage standard pour les gens qui jouent du bluegrass ou qui jouent d'autres styles de musique au banjo, c'est Ré, Si, Sol, Ré, Sol, Di, Bi, Gi, Di, Gi. On va cadrer pour que mon manche soit visible, ce sera mieux. Voilà. Et donc, le morceau que nous allons apprendre, je vais vous le faire écouter. C'est là qu'on va voir si mon setup fonctionne à merveille ou pas. Regardez-moi ça. Waouh ! On passe à la transition vers un média. On va écouter ensemble la version du morceau qui s'appelle donc Old Yellow Dog Come Trotting to the Meeting House. Old Yellow Dog Come Trotting to the Meeting House. C'est un morceau... dont on va entendre la version de Raina Gellert, qui est une version qu'elle joue en Fa, un ton plus bas que nous, on va le jouer un ton plus haut. On va d'abord apprendre la mélodie, sans se préoccuper dans quelle tonalité elle est, c'est pas très important pour l'instant. Et je vous montre un peu comment moi je travaille pour quand je vais apprendre un nouveau morceau. Ce morceau je le connais déjà un petit peu, j'ai déjà joué en jam, mais je l'ai jamais vraiment appris en tant que tel. Donc on va faire ça ensemble. Le morceau... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Traditional Tune Archive, c'est un site qui reprend des paroles et des contextes, des histoires, des historiques au sujet des tunes. C'est super intéressant.
Donc ici, on apprend que ben, Rena Gellert, c'est quand même elle qui a principalement fait connaître ce morceau aujourd'hui, l'époque contemporaine, mais qu'elle tient pour source Charlie Acuff, un violoniste, qui est la source de pas mal de morceaux, et qui le tenait lui-même de son grand-père. Donc c'est un morceau évidemment traditionnel qu'on va apprendre. On a ici un texte, un peu chanté également. On verra ça dans un deuxième temps, si on a le temps, si j'ai le courage encore, parce qu'il est assez tard ici à Bruxelles. Écoutons le morceau. J'essaye ici, vous voyez, c'est relativement. Pardon, j'empêche le YouTube de me faire jouer ce que je ne veux pas. Merci YouTube de ne pas m'imposer un deuxième morceau. Voilà. Donc, vous avez vu que dans le morceau, je tape la pulse, les temps, et j'essaye de pouvoir siffler la note de la mélodie qui tombe sur ce temps. Ce sera notre repère. Je sais que Lucas Poole de Ozark Banjo appelle ça la mélodie squelettique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ceux qui connaissent le mouvement de Clohammer, qui est un mouvement qui fait. Le bum est la note principale de la mélodie qui tombe sur le beat. Chaque bum didi est un beat. Ben 1, 2, 3, 4. Et donc si on arrive à retenir, à entendre et à retenir et à rejouer ces notes qui sont sur le temps, sur le beat, 1, 2, 3, pouvoir jouer le morceau d'une façon relativement simplifiée. Alors on va le refaire ensemble maintenant que vous avez compris le principe. Je vais vous faire écouter le morceau. On essaye de choper toutes ces notes de la mélodie. On les rechante ensemble ensuite dans la tonalité qui nous intéresse, c'est-à-dire sol. Thank you.
Autre chose à savoir, en essayant de repérer ces notes, pour bien les entendre, on essaie aussi de repérer leur hauteur respective. On essaye ensuite de les chanter en même temps. On fait ça une dernière fois. Je l'ai. Et à partir de ce moment-là, bon, maintenant, petit exercice du cerveau, on monte tout d'un ton. Mais alors que si vous avez la mélodie dans votre tête, la mélodie relative, la rechanter dans une autre tonalité, ça va aller très vite. Donc au lieu d'être là, on est là. Sol. Alors qu'une fois qu'on a fait cette première partie, la suite est très simple. On va placer ces notes de la mélodie. Deux fois. Dans le cadre de notre ça fait. Ceci. Ça fait donc ceci. Attendez, genre que c'est tellement lent que j'ai un peu du mal. Oui, c'est ça. Cette mélodie.
Et il y a des longues notes qui se prolongent au-delà d'un temps. Dans ce cas-là, on va simplement répéter la note et faire deux fois le même bum dili. Fioriture, c'est qu'au lieu de jouer ces trois notes qui sont dans la tension, donc vous voyez ici, les trois premières notes de la mélodie, c'est les notes de l'accord hein, de sol majeur, ré, sol, si, très simple, comme souvent, on va retrouver ces notes dans la mélodie, les notes tonique, tierce et quinte. Là c'est quinte, tonique, tierce. Là, il y a une petite deuxième plus. Mais au lieu de jouer notre tierce ici, par exemple, ce qui se fait assez souvent en banjo clameur, c'est un effet à la main gauche qui va donner ben voilà, un peu de personnalité à la note. Slide de la deuxième à la quatrième position pour arriver vers le si. Difficulté en plus dans le B, je vous ai dit, on cherche la mélodie sur les pom di di. Donc pom di di 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 pom. Petite difficulté, c'est qu'ici, le di di qui suit le bom n'est pas toujours un accord de sol. On va donc essayer de... C'est pas obligé, mais ça peut être sympa de mettre un peu d'harmonie dans son morceau, donc de jouer des changements d'accords sur le didi. Et donc ici particulièrement, on peut les entendre, ça prend un peu de temps à entendre, parce que la mélodie, on peut la chanter en même temps, les accords, ça se chante pas nécessairement, mais on entend que par exemple, donc, ici on entend une version banjo-guitare, il n'y a pas vraiment d'instrument totalement harmonique, il n'y a pas de guitare par exemple, banjo-violon, il n'y a pas de guitare. Mais s'il y a un guitariste, lui va vous faire entendre très clairement ces accords qui changent. Et ici, il y a déjà là un premier accord très court qui change au début. Et qui rechange à la fin, c'est le même accord. Et cet accord, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un accord de Do majeur, le quatrième degré. De la gamme de sol. Sol, la, si, do. Quatrième degré.
sur autre chose là. Je suis un peu distrait. Il y a un spectateur, depuis le début, silencieux, qui n'hésite pas à se manifester. Est-ce que c'est quelqu'un qui joue du banjo? Sinon, est-ce que c'est pas trop embêtant une leçon de banjo quand on ne joue pas de banjo? Peut-être que c'est quelqu'un qui joue du banjo et qui a eu beaucoup de chance de tomber sur cette leçon, parce qu'il n'a été annoncé nulle part. Mais j'ai espoir que nous ayons un peu plus de spectateurs lorsque les leçons seront annoncées sur nos réseaux. Nos réseaux, c'est la jam de Bruxelles, une jam all time avec plusieurs dizaines de musiciens, des amis un peu en France, aux Pays-Bas, aux États-Unis. Et le réseau de notre groupe Hills of Belgium, alors qu'Anne et à moi. C'est un groupe bruxellois. Voyons voir. Donc, on en était à... du B, il y a un autre changement d'accord, c'est... Aussi qu'on peut faire un 5, qui est cet accord, que je joue avec les doigts 2 et 4, ce qui me permet ensuite de facilement refaire le 5. Le 4, pardon, je passe du 5 avec ces doigts-là, au 4 avec ces doigts-là. Ce qui fait un changement de doigt relativement minime. Je vous remonte lentement. Et la fin du B, ça change un peu. Ici. On revient, on termine sur un premier degré et une note de sol. Comme d'habitude. Le texte en même temps que je le chante. Incroyable. Magnifique, non? Oh, little ducks in trance. Oh, j'étais pas... Ma main était pas au bon endroit au départ. All little ducks came trotting to the meeting house, trotting to the meeting house, trotting to the meeting house. All little ducks came trotting to the meeting house down in Alabama. Brave boys here, brave boys there. Come on.
come out of the wilderness. Oh, walk away, come out of the wilderness. Fire these boys in gray. Brave boys here, brave boys there. Brave boys here, down in Alabama. Que je fais en plus quand je joue? Pas beaucoup de choses en plus. Dans le B, au lieu de faire ce qui demande un effort, il faut bouger la main et tout, il y a un truc qui demande moins d'effort à la main gauche, mais un peu plus à la main droite, c'est d'utiliser l'effet qui s'appelle le Gaylax Lick. Au lieu de faire down, up, down, up, down, up, dans ce mouvement régulier et immuable normalement dans le clou hammer, de faire down, down, up, down, up, down, up. Normalement, notre main fait toujours ça. Down, up, down. Pour faire ce drop thumb, on joue juste des down ou des down, up ou des bum didi. Bum didi, notre main fait toujours down, up, down, up, down, up, down. Dans un Gaylax Lick, on va faire down, down, up. Et on va faire c'est down, c'est deux down avant le temps. Ça fait 1, 2, 3, down, down, up. Pour pouvoir faire cette note qui est la même que celle-là. Et démarrer la mélodie. Gaylax Lick. Même chose. Deuxième fois. Gaylax Lick. Des petits marteaux et des pull-off. Je pense à faire les transitions plus souvent vers le plein écran pour quand je joue, pour que les gens voient bien
Le Manche. Idéalement, je sais que les gens aimeraient peut-être avoir des plans un peu plus zoom sur ma main. Même si je préfère qu'on se base à l'oreille qu'à l'œil pour entendre ce que je fais. Et sur les petites explications que je donne. Et puis voilà. Ce test est-il concluant? Je ne sais pas. Je vais en tout cas me chercher à boire et je reviens pour en discuter avec mon spectateur unique qui n'a toujours pas parlé. Va-t-il parler dans le chat? Ce sera mon premier message dans le chat. Suspense, je reviens dans une minute. That's right or not, you know. Terminer en faisant justement donc un gros plan sur le morceau, jouer très lentement, une première fois très simplement et puis une deuxième fois moins simplement. Two and three and four and. Première partie.
fois le B. Maintenant. Apprendre relativement simplement un morceau comme celui-là. C'est une méthode qui est assez simple, qui demande du temps. Plus on le fait avec de nombreux morceaux, plus ça devient facile de le faire vite, et j'espère bien. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on connaît encore le morceau tout de suite. Maintenant, je vais un peu le retravailler. Écouter différentes versions. Écoutez ce que fait le banjoïste avec Ryan Aguilera. Le banjoïste, en l'occurrence, c'est pas n'importe quel banjoïste. Comment s'appelle-t-il ? Attendez, je vais retrouver son nom sur l'écran du browser. On va le voir ensemble parce que j'ai un trou de mémoire. C'est un banjoïste préféré en plus. C'est John Herman, voilà, c'est lui. On peut le voir par exemple sur cette vidéo. Jouer à Clifftop, je pense, avec Ryan Aguilera. Oh, comme ça, vous voyez la tête des gens que vous écoutiez tout à l'heure sur l'album, c'est eux.
qui donne ce petit son très sec. De faire une version en up picking, deux doigts ou trois doigts d'ailleurs, peu importe. Donc il y a d'autres façons de jouer banjo all time que le clawhammer, bien sûr. Et on peut se baser sur le même principe. On aura cette mélodie de base. Alors là, on va par exemple essayer de la jouer avec le pouce ou avec l'index. Thank you.
le mouvement de base, au lieu d'être un bam, di, ce sera un thumb. Là, ce sera pas, non, ce sera bam, di. C'est le même principe, mais on fait un pouce en up picking. Un index suivi d'un pouce qui fait le même rythme qu'un bum didi. Et on peut aussi, au lieu de faire bum, di, bum, di, on peut faire bum, pinch, et alterner les deux. Pouce, pinch, ce que j'appelle pinch, c'est que je tire la première corde et la cinquième avec le pouce en même temps. Premier doigt et cinquième doigt en même temps. Ça. Merci d'avoir écouté les spectateurs mystères de ce soir. Et je vais regarder ça avec attention, voir ce qui peut être amélioré. On se revoit au plus tard le 19 avril pour la première vraie émission, le premier show. On sera plusieurs musiciens à jouer, on va faire un peu la fête. Avec quelques petites boissons et ce même micro autour duquel on va vous jouer des chansons et vous raconter des imbécilités probablement. Par avance, toutes nos excuses. Et
En plus de ça, peut-être que demain, vu que c'est le lundi pascal que vous êtes et que je suis en congé, comme tous les braves gens, je vais peut-être refaire cette même, enfin pas la même, le même morceau, mais le même principe d'émission, mais cette fois avec un petit peu de publicité pour voir s'il y a des gens que ça intéresse, et le tester en conditions réelles avec un peu de public, peut-être. Bonne soirée et à bientôt. But I don't know whether that's right or not, you know. Thank you.
days on me. He's the one called a pretty little cat. Some of them called a pretty little shoes, pretty little dog.